Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, et bienvenue pour ce troisième épisode du Let's Play consacré à Tekken 7, en tout cas à son mode histoire. Et après avoir suivi les aventures de Heihachi Mishima reprenant la Mishima Corporation, son combat contre Akuma et en parallèle les aventures de Lee et d'Alissa, on va reprendre l'histoire avec le chapitre 9, et a priori on va suivre une nouvelle fois Lee, Alissa et sa clique sur ce chapitre 9, et leur retrouvaille avec Eugene si on en croit l'image de ce chapitre. The minute I got back from Kyoto, I learned that the war had escalated further. The world's media was buzzing with news about the Zaibatsu, including the attack on Lee's Violet systems. It was then that I received an email from Lee himself, saying he wanted to introduce me to someone who was well-versed in the Mishima Zaibatsu's affairs. At last, my investigation was back on track. The email concluded with the name I'd yet to come across. Lars Alexanderson. Petit changement de robe pour Alissa. Un peu plus habillée cette fois.相変わらず物騒だな君は。リー、警戒はするに越したことはないのでね。アリサ、まさか治ったのか。ナース、やっと会えました。感動の再会、まさにエクセレント。 Son fameux excellent, avec un accent anglais impeccable. なるほど。ところで、君はジンを奪ってどうするつもりなのか。 国連の諜報組織を敵に回してまで陣を必要とする理由があるのだろう。それは多数の生体反応を確認。鉄拳衆です。嗅ぎつかれたか。私も行きます。これをつけ。了解。Ah oui, carrément. J'aurais bien voulu voir ça aussi avant, mais j'aurais pas cette chance a priori. J'ai pas pu le parer, j'essaie de mettre en garde, mais... Ouais, je crois que c'est comme le combat contre Heihachi, il a beaucoup de coups imparables, coups hors mort. Faut faire attention. Rester concentré. Essayer de spammer, hein, parce qu'a priori ça fonctionne si on en croit les épisodes précédents, surtout le deuxième. Spammer c'est gagné, n'est-ce pas? Si je peux m'en sortir sans le spam, ça me va aussi. Ça faut que je l'interrompe à mon avis. Ok. Je me rends compte que j'ai beaucoup ok quand je suis sur un jeu de combat. Je sais pas trop pourquoi, éthique de langage qu'on a tous, hein, j'imagine. Ah, ça, je suis censé le... Allez, pas de comeback, c'est bon. Alors. Bon, j'espère que c'est scripté ça. Jolie chorégraphie en tout cas. Ouais, c'est scripté. Acquire the target, be quick.
Alors. Cette fois, c'est moi qui ai un coup gratuit. En plus, j'ai Richard. Faut attention, peut-être qu'elle aura après. Donc, je vais vite claquer maintenant. Et si ça fonctionne comme les combats normaux, j'ai plus de dégâts qu'avant. Quand je suis en mode rage. Toujours aussi redoutable, Nina Williams. Ah, j'en étais sûr. Ah oui, cette fois on a tout de nos Jart. Elle est vraiment résistante, hein. Bon, si j'arrive à kill ma Jart, donc elle fait un combo par exemple, ça peut être intéressant. Non, pas maintenant. Alors j'espère que ça passe. Oui, parfait. Toujours dans la bulle, Alissa. Hein. La Gatling. Les points qui volent, les tronçonneuses à la place des poignets. Incroyable. Ah, quel petit traître celui-là. Ah non. Bien joué. Bon, excuse-moi, Lee, je t'ai mal jugé. Jolie infiltration. Mishima Corporation, mais non, c'est Mishima Zaibatsu et G Corporation. Petit mélange des deux. Autant pour moi. Ils ont une capacité de survie, les persos en Tekken 7, c'est impressionnant. Ça se prend des balles, des tronçonneuses, des explosions. Pas une blessure. Incroyable. When Lee described him to me of how he'd escaped, divided the Tekken force and formed a rebel army. I imagined someone completely different. His eyes told a story of sadness hidden deep within. The sterile air of Violet Systems, where he and Lee were holed up together. Lars explained to me that he was Heihachi's illegitimate child. Heihachi had fathered him to cast aside all doubt that he had the devil gene in his blood. Lars existed solely for that purpose. I barely contained my excitement at not only meeting a blood relative, but also at learning this revelation. While Lars and Lee conversed, I overheard something that shocked me. Jin Kazama had been found. Jin Kazama, Kazuya's son and Heihachi's grandson. The hatred I had held deep inside surged through my veins. Tidal wave. Jin had put the wheels in motion that led to me losing everything. Then, as if finally putting his feelings into words, Lars muttered, There was no mistaking what he had said.
Yashi encore pas mort. Même s'il a bien pris cher, hein, contre Akuma. Vraiment increvable, Yashi. Il a foulé la mort je sais pas combien de fois dans Tekken. Et toujours là. Bien vu, Sherlock. なるほど。これは面白い筋書きができそうじゃ。今すぐ全世界にわしが死んだという情報を流せ。大会も中止じゃ。 Autre fight légendaire en perspective. Thing I thought when I saw Jin Kazama. I took the opportunity to quietly pocket a screwdriver. The man who had stolen everything from me lay before my eyes. An opportunity like this may never present itself again. It was as if Lars could read my mind. He explained that when Jin woke up, he would try to use Jin's power to put a stop to all the fighting. All I could do was nod in agreement. ミシマ財閥当主死亡の方により、G社の勝利は確実だと世界中が沸き立っております。ここまでは狙い通りじゃな。例の準備はできておるか。はい。鍵となるのは豪気よ。カズヤとて、やっさ相手ではデビル化せざるを得まい。映像を全世界に流す準備はできております。カズヤがデビルであることを暴いた映像を流せば、G社の信用も地に落ちる。 その上でカズヤを葬れば、世論はミシマ財閥に一気に傾くじゃろう。ドクターアベルが残した最強兵器が、わしの勝利を世界へ轟かせるのじゃ。カズヤよ、豪気もろとも消し去ってくれる。 Plutôt bien vu, hein. ふん。貴様を葬る場所を選んだだけだ。殺す前に一つ聞いておく。貴様、なぜ母のことを知っている。八丈家の名残か何かか。かつて和美殿には命を助けられた。ただそれだけのこと。その借りを今返す。では見せてもらおう。 Akuma a priori. Ok. Bon, pas trop bourrer les spéciaux, hein. Donc, si c'est tentant avec Akuma d'enchaîner la Dokken et les Shoryuken sur Tekken. Voilà. Typiquement, c'est dans le vent. Voilà. La classique d'Akuma. Tatsumaki into Shoryuken.
Le petit demi flip. Regarde, c'est bien comme sur Street. Arrière avant. Et puis ensuite touche de pied a priori. Le fameux Devil. Enfin, la forme Devil qui était un boss dans Tekken 2. Il a affronté Kazuya, puis ensuite Kazuya, cette forme-là. Son fameux rayon laser, évidemment. J'enchaîne beaucoup mieux les Tatsumaki et les Shoryuken là, sur cet épisode, ça fait plaisir. Bon, c'est quand je dis ça que j'en rate un, mais. Il y a quand même positif. Voilà, vu que c'est un Tatsumaki avec le pied fort, je pourrais pas enchaîner sur un Shoryuken. Il n'y a pas assez de temps pour enchaîner les deux. Voilà, c'est pareil, c'est Tatsumaki pied fort. Je pense que je peux faire un pied faible, là comme ça, mais. Là, c'est trop prévisible, trop téléphoné. ゴーキ、誠に和美を知っておったのか。三島和也がデビル化した映像を複数のカメラで捉えました。とはいえ、和美はもういない。全てを終わったこと。 Je ne savais pas qu'il allait chier un rayon de la mort lui aussi. Plutôt efficace, mais c'est évident que ça va pas suffire. Hein. I couldn't take my eyes off the live broadcast. Next to me, Lee and Lars barked orders frantically, desperately trying to verify whether the images were a hoax or not. The demon on screen was unlike anything I'd imagined. No, it was something much more horrific. The devil incarnate. The demon-like creature you see on your screens is apparently Kazuya Mishima, said to be controlling G Corporation from the shadows. World leaders are currently debating whether to believe. The report's just in that the creature has been subdued by the Mishima Zaibatsu. I'd long assumed this war was between humans. That my family, my hometown, had been razed to the ground by people. C'était sûr. Et il en faut plus pour le tuer. Enfin, de toute façon, il en faut beaucoup pour tuer un perso au Tekken, hein, quel qu'il soit. We've yet to confirm whether the footage you're seeing is real. If it is, however, we've seen Mishima Zaibatsu is on the side of justice. Public opinion is turning against us. We're running out of options. Bon, c'est un peu tard, hein. Faut peut-être lui faire avant. An unknown informant has claimed that Mishima Zaibatsu died.
with you. We have to get out of here. Move! The machine was my box assembly has crash landed. Scenes of chaos unfolding. Petite représailles. Et mine de rien, on approche de la fin. Déjà chapitre 13. Il me semble qu'il y a 15 chapitres dans le jeu. The Zaibatsu downing their own satellite weapon and destroying an entire town left no doubt in my mind that this war was not between humans. The atrociousness of the fighting was inconceivable to the average person, and they soon forgot about Kazuya transforming into a devil. Instead, choosing to believe that the Zaibatsu were the antagonists. The concept of good and evil changed every day. What a world we live in. I was probably the only person on the planet not paying attention to the news. To me, evil was that which had taken everything away from me, and I couldn't rest until I put a stop to it. So I went directly to the Mishima Zaibatsu's headquarters. Told them I would expose them for what they are. I knew I was risking my life just to be laughed off, but I couldn't stand by and watch the world descend further into chaos. Still, they paid me no attention. Bereft of all hope, I wandered around town aimlessly. But then, a man dressed in black approached me silently and told me that Heihachi had agreed to meet me. A few hours later, I was placed in a car and driven in a completely different direction than the Zaibatsu's headquarters. When I arrived at my destination, Heihachi Mishima was there waiting for me. Rien que ça. Oh, lui ce qu'il vaut le final. Kisama. 三島家の真実を報道したいというのであれば、その情報は持ち合わせているのであろうな。 At that time, I had no idea why Heihachi had suddenly agreed to meet with me. His eyes latched onto mine, filling me with unshakable fear. I have delved deep into the history of the Mishimas from Jinpachi Mishima to the family's connection to Kazumi Hachijo. The year you declared the establishment of the Mishima Zaibatsu was the same year your wife Kazumi passed away, and that your son sustained terrible injuries from falling off a cliff. To me, that sounds like one hell of a coincidence. En effet, ça en fait beaucoup là. Oh, なるほど. ただの記者ではなさそうだ。よかろう。これから話すこと。その全てを世界に公表する。その約束が果たされるなら、わしが全てを語ろう。 At that time, I had no idea why he wanted me to reveal everything on his behalf. But I was getting so close to the truth I had long fought to uncover that I couldn't turn down this once-in-a-lifetime opportunity. The devil's blood in Kazuya and the blood of Kazumi's family, the Hachijos, remains shrouded in mystery. I listened closely to every word, each step inching closer to the truth. Ayasu ga washi no chichi, Jinpachi no dōjō ni kita no wa mada toshiha mo ikanu shōjū no koro jatta. Ah, mais ils ont énormément de cartes d'âge en fait. Budō ni akekureru naka, tsumari. Enfin, j'ai l'impression. Budō to wa shin ni tomo ni onore o oikomu kodoku na sekai. Kazumi wa shidai ni washi ni totte yuiitsu muni no sonzai to natte itta. Musuko no Kazuya mo umare,
わしらは幸せじゃった。特にカズミは、カズヤのことを目に入れても痛くないほど溺愛しておった。すべての歯車が狂ったのは、貴様の言う通り、その年のこと。稽古中、カズミが突然倒れおった。カズミは信じられぬほどの高熱を出しており、急ぎ病床に寝かせたのだが、カズミ。She tried to kill you? じゃが翌日、熱が下がったカズミは前日の出来事を覚えておらず、いつも通りのカズミであった。それはまるで人格を二つ抱えた人間と共におるような感覚じゃった。そんな日が幾日も続いた。そしてある日。よっ、ふん、ほっ、ん、ち。カズミ。Les problèmes。世界を脅かす存在。何の夢を見ている。故に今死を与えるのだ。C'est du bon souvenir. C'est un peu compliqué ce combat. Déjà que les autres n'étaient pas forcément simples. C'est d'ailleurs Kazumi qui est le boss du mode arcade de Tekken. De ce Tekken là en particulier. Masako.C'est pas très gentil ça. Ah bah. Et encore un coup gratos dans la tronche. C'est pas le premier, a priori pas le dernier. Voilà. Ok. Ah, c'est cette forme là que je crois qu'elle a ce mode arcade.Clairement pas un problème de santé. Mais bon, si le spam y passe, je pense avoir esquivé. Non, un pas de côté aurait dû suffire. Voilà. Je vais passer. Il y a le souvenir qui remonte. Oh, ce tigre! Les mauvais souvenirs qui remontent. Oh non, là, ça retourne assez vite. Je peux plus mettre une chope. Ouais, près du mur comme ça pour retourner, c'est compliqué. Oh, ce tigre là. Ouais, les mauvais souvenirs qui remontent parce que. Ouais. Bon d'accord, ça va être pas de la tarte. On va insister. Ok. Ah. Oh. Le jeu qui me dit qu'on va mettre des pas de côté, c'est ce que j'essaie de faire depuis tout à l'heure. Là, genre, là par exemple, sans grand succès, mais j'essaye, je vous jure, j'essaye. Pourquoi ces jeux gentils, c'est peut-être un peu moins compliqué sur les autres fights. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus accessible. C'est un peu le cas aussi sur le match entre Akuma et Yashi, quand j'ai incarné Yashi. Mais vraiment, Kazumi, c'est pas un personnage facile à affronter sur le mode solo. Oh bah ça, ça fait mal. Il faut que je fasse quoi? Est-ce que je vais finir ça autrement? Ok, je vais finir autrement. Ok, c'est que le match contre Akuma. Il a fallu juste bourrer les boutons.
Kazumi. C'était sûr. Bon, t'es la première à avoir attaqué quand même, hein. Bon bah sur cette note triste, on va en finir là. Je pense que ça fait un bon petit chemin pour cet épisode. Alors on va retrouver, je pense que... Alors juste vérifier où on en est sur les chapitres, oui c'est ça. Je pense que le prochain épisode sera le dernier, à moins qu'on fasse les autres chapitres des personnages, mais il y a aussi le chapitre spécial, mais pour être tout à fait honnête, qui est assez ardu. Donc on verra bien, pour faire voir un petit peu, si jamais on le fait pas, il y a aussi des chapitres additionnels. Mais malheureusement, c'est très court, déjà, premièrement, et deuxièmement, ça porte pas grand-chose dans l'intrigue, à mon avis. Donc ça, à voir après, c'est une possibilité de le faire, mais on va y réfléchir. En tout cas, en attendant, je vous invite, comme d'usage, à regarder ce qu'on fait d'autre sur notre chaîne YouTube, et notamment Algo, qui est très actif en ce moment. Aussi à nous suivre sur les réseaux, sur Facebook pour vous tenir informé des IRL, des événements qu'on peut faire ici et là dans le nord de la France. Sinon à nous suivre sur notre Discord, l'adresse du serveur est juste en dessous. À également regarder nos articles qu'on publie sur le site de l'association. Et également regarder notre TikTok pour voir les quelques vidéos et moments drôles qu'on fournit, qu'on rencontre sur Let's Play, sur les streams. Et en parlant de stream, justement, vous pouvez également nous suivre sur Twitch avec les streams qu'on fait la semaine. Également nos streams hebdomadaires, évidemment, et donc nos streams du dimanche qu'on fait une semaine sur deux avec toute l'association, ou presque. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou bonne journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Au revoir à toutes et à tous.